On y va doucement, hein. J'ai pas envie de me foirer. Ben voilà, comme ça, par exemple. Ah ouh. Je pensais être assez loin pourtant, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ah. Oh, j'aime pas ça. Ouh. Doucement, doucement. Voilà. Ça va, ça va. Très joli décor. Non, en réalité, il est vraiment beau, mais... Enfin, bien fait. On va dire qu'il est bien fait. Beau, c'est relatif. Te revoilà à ton ouvrage, de retour sur la scène du crime. Il fallait le faire, le chat, tu l'as dit toi-même. La Reine Rouge et toi ne pouvaient pas cohabiter. Elle est comme un cancer dans ton corps. Tu dois la tuer ou tu mourras. Oui, elle était le visage même du mal au cœur des ténèbres. Elle ne t'a pas trop bien traité. Tu en as perdu la tête, si je ne m'abuse. Je n'y ai pas coupé, c'est vrai. Tu as pris sa couronne, puis tu l'as reposée. Tu dois lui parler, si toutefois il en reste quelque chose. Alors, une petite explication ici s'impose, sinon on ne comprend pas très bien. Sans trop vous en parler maintenant, mais la Reine Rouge était le boss final du premier Alice. Je vous expliquerai un petit peu plus tard, mais voilà. Comme ça, vous comprenez. La tête. Non, ça ira, j'aimerais bien la garder, ma tête. C'est quoi, LT encore, c'est ça. Moi, ouais, les boutons, on n'est pas copains. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un truc par là. Donc, je vais aller par là. Tu n'es pas des nôtres. Je ne te demande pas ton avis. J'ai loupé la dent. Oh, c'est pas grave, c'est pas pour une dent. Hein. J'aime beaucoup la tenue d'Alice ici, par contre. Je crois que c'est une des tenues que je préfère dans le jeu. Elle est vraiment jolie. On peut remarquer aussi qu'il y a un arrêt de train. Terre de la Reine. Avec un wagon. Non, je vais me risquer à essayer d'aller choper les dents par là. Je pense que il n'y avait pas de bonus à part des dents, donc.
Il me faut combien? Ok, je peux améliorer soit la théière, soit le cheval bâton. Ouais, cheval bâton. Pas mal, pas mal. Ah! Bien fait de regarder autour de moi. Surtout qu'on l'entendait pas, quoi. Je ne me rappelais pas qu'il y avait des groins qui ne faisaient pas de bruit. Je soutiens la monarchie, en théorie. La reine est très compétente dans ses fonctions, quelles qu'elles soient. Mais n'est-elle pas une personne comme nous autres? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui s'est envolé? J'en ai pas la moindre idée. Alors, j'apprécie l'invitation, mais pas tout de suite. Hein. Ouh! Une petite énigme pour une petite... pour toi. Complète cette suite. 1, 3, 4, 7. 11. Je dirais 17. Je sais pas pourquoi. Quoi, mais ça m'inspire. Fais-tu semblant d'être idiote? Qu'est-ce non. qui coule sans se noyer? Suit un cours sans être éduqué. À un lit, mais jamais ne dort. À une source, mais jamais n'informe. Ah, ça, je sais. C'est un fleuve. Il y avait quoi d'autre? Un fleuve, un enfant agité, une rumeur infondée, un insomniaque suicidaire. Pourquoi? Pourquoi? Tu ne cesses de me surprendre. Je me demande si j'ai pas loupé d'autres salles Radula parce que... J'ai eu que deux pots pour le moment, deux pots de peinture. Non, ça c'est les souvenirs, c'est pas... Ben, je ne sais pas. Si, c'est sur le menu principal qu'on sait le voir, mais je vais pas y retourner. Hein. Je vais pas retourner au menu principal. Est-ce que c'est une faute de traduction? Ou est-ce que c'est voulu que ça s'appelle des cadres? Des cardes? Au lieu des cartes? Ça s'écrit avec un T quand même, logiquement. C'est une carte, pas une carde. Enfin, en français. Ah oui, il y en a un sacré petit paquet quand même, hein? Ah non! Ouh.
Je l'ai vu. Ça se casse, ça? Non. Mmh. Non, ça se casse pas non plus. En tout cas, pas pour le moment. Peut-être que plus tard, oui, j'en sais rien. Le côté rouge est en ruine, mais vous ne valez pas mieux. Quand vous l'avez vaincu, j'ai voulu prendre le château, et je me suis retrouvé pris au piège ici. Sa non-majesté règne toujours. Je viens pour une requête. Je dois entrer. Vous devez me passer sur le corps, en guise de sacrifice. Celui qui pousse au sacrifice n'est pas le plus courageux. Un attentat à ma valeur, attendez voir. À l'intérieur se trouve un géant qui veille sur son domaine. Ne l'affrontez pas. Il est invincible. Bien, libérez-moi. Je vous montrerai ce qu'est un sacrifice. Et je te libère comment? Moi, je veux bien, hein, mais... Ah, comme ça, apparemment. C'était aussi simple que ça, ok. Ah, je me disais bien que je pouvais y aller. J'entends un groin, mais je ne le vois pas. Ah bah il est là. Il était même pas invisible en plus. Bonjour. Il n'y a rien d'autre ici. Il me semble assez haut, mais bon, on va essayer, on verra bien. Ah non, ça va. Ça va, ça va. Voilà, ça, c'est fait. Ça va? Est-ce que ça va? Il manque une grosse partie de ta tête, mais est-ce que... Bon. Oh là là. Au jeu, il faut faire des choix. Tu dois parfois sacrifier des pièces pour en atteindre de plus importantes. Ok. Magnifique. Vraiment. Chaque image raconte une histoire. À quoi peut bien servir un livre sans images ni conversation? Oui, non, ça j'ai déjà vu, merci. Gauche ou droite? Eh ben, je ne sais pas
aller à gauche. Enfin, je pense pas. Je pense pas que j'arriverai à sauter jusque là-bas. Hein. C'est quand même vachement loin. Mais pour le fun, étant donné qu'on n'a pas de vie, je vais essayer. Non. Un groin, où ça? Il doit pas être très loin. Peut-être derrière le mur. Hein? Quoi? Quoi? Attends. Enfin oui, non, attends. Hop, on recommence. Est-ce que le groin est ici? Ah oui, il est là. Je suis pas assez loin. Mais non. Ah bah voilà. Bon, je verrai ça après. D'abord le souvenir. Pas de tapis en peau d'ours, ni de tête sur les murs, ni aucune bête empaillée dans notre maison. Respectons la vie des animaux. Vous avez parfaitement raison, monsieur. Vous avez parfaitement monsieur raison, j'ai failli dire ça. Bon, moi, avec tout ça, qu'est-ce qu'il y a ici? Ok. Ah non. Y a-t-il quelque chose d'intéressant? Pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit de caché. Ok. Je me demande ce que c'était. Est-ce que je sais ouvrir cette porte? Non. C'est pas moi, j'ai rien touché. Ok. Là, non, attends. Hop, voilà. Non, il y a des trucs là, je veux casser ces machins. Coupez-lui.
La tête. Mais j'ai déjà dit non, ça ne sert à rien d'insister. Ma tête restera sur mes épaules. Un point, c'est tout. Aou. 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 Voilà. Oulalalala. C'est quoi ce grand machin? Aou. Mais quel idiote. Don Quichotte aurait plus de chance avec ses moulins. Et sans risquer d'y perdre ses manches. Prudence n'est pas toujours compatible avec la fuite. Je suis pas sûre que cette porte va le retenir, étant donné qu'il passe à travers les murs un peu comme il veut, mais... Je vais pas rester... Voilà. 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 Qu'est-ce que je disais ? Une arme sert autant à impressionner qu'à blesser. Elle n'a de valeur que dans une main qui sait s'en servir. Merci. Oh, c'est joli ça. Évidemment qu'il est toujours dans les parages, évidemment. Je ne sais pas où. Mais il est là. Ce gardien ne quitte jamais sa tanière. C'est un honneur pour toi. Ah, c'est un cœur en fait. Un cœur avec des ailes. Ah, je peux même pas le tuer, c'est pas drôle. Vu le dessin, je crois qu'il m'attend là en haut. Mais bon, j'ai pas trop le choix, hein. Je suis obligée d'y aller, donc... Allez, hop. Ah. Évidemment. Oh. J'ai bien fait de regarder autour de moi.
Qu'est-ce qu'il y a au sol? Oh punaise, oh putain. Oh, il m'a saisi cet abruti. Coupez-lui la tête. Pourquoi tu te marres, toi? Oh, d'accord. T'as appelé tes copains. Non, non. Laisse ce truc tranquille. Arrête. Oh, putain. Oh. Ah, bah si. Mais vas-y, je t'en prie, mais tu t'es copain. Moi, ça m'arrange. Peux-tu arrêter de grogner, toi, là-bas? Où est-ce que je dois aller? Je suis un peu paumé là. Ah, il y a une plateforme invisible, ok. Ah, d'accord, oui, ok. Je vais faire ça après. Je vais d'abord prendre cette plateforme. Et il y a aussi un groin. Je sais pas où, mais je l'ai entendu. Ah bah, il est là. Cool. Y a rien d'autre? J'ai pas l'impression. Wow, wow, wow. Évidemment. Évidemment. Ça, c'est quand on va aller trop vite. Voilà. Wow. Voilà. Ok, je vois. Non. Ok, on va d'abord... Voilà. Ah! Bon, c'est pas grave, on recommence.
Voilà. Et voilà. L'équilibre est une bénédiction, Alice. Entre le bien et le mal, entre la mort et la vie, et même entre la vérité et le mensonge. Déplace le pion sur l'échiquier, le pion opposé imite tes mouvements. Termine l'énigme du jeu d'échecs en menant les deux pions à leur destination au même moment. Les tours se dresseront sur le chemin des pions. Évite les cavaliers qui écraseront les pions. Tu as un nombre de coups limité pour terminer cette énigme, évidemment. Bon, ça, évidemment, c'était l'énigme pour commencer. Hein. Raté. C'est pas grave. Ah d'accord, donc je suis pas obligée d'utiliser tous les coups. Ok. Je pensais que je devais utiliser tous les coups.